Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Siam. Alors aujourd'hui je me trouve devant le salon de Diva Rebecca. On va faire une petite interview avec elle, mais d'abord elle m'a invitée dans sa demeure. Allons la voir. Coucou, c'est qui cette beauté? Moi. Bonjour, alors bah écoute, enchantée d'être dans ton salon. Ah, c'est la bienvenue. Il est magnifique. Ah, merci. Waouh, t'es trop, tu t'es mis en bombe pour l'interview là. Wow. Ça fait combien de temps que tu l'as ce salon? 3 mois. 3 mois, ça vient d'ouvrir. Donc les gars à Charenton-le-Pont, super salon. Vous faites quoi ici comme prestation? On fait tout. Ouais. Tout ce qui concerne le cheveu. Brushing, couleur, extension, des soins. Maquillage. Je vais à la Kim Kardashian. Tu ressens la Kim Kardashian là? Ah. Beauté, mashallah. Oui. Alors, t'es prête pour l'interview? Yes! Allez, c'est parti! Allez, let's go! Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Siam TV Studio. Je suis en compagnie d'une immense star des réseaux sociaux. Elle fait des grands yeux comme non, ça, elle est choquée. Immense. Si, c'est pour moi, c'est une starlette. Grande star. Starlette, une grande star pour moi. Poussière d'étoile. non, t'es bien plus que ça et on va apprendre à te connaître. Donc, je vous la présente brièvement. C'est Diva Rebecca. Elle est suivie par près de 7 millions de followers engagés sur les réseaux sociaux. Comment tu vas? Ça va. Bienvenue, Rebecca. Merci. Ça va, tu vas bien? Très très bien. Écoute, je suis vraiment honorée que tu aies accepté de venir. Ah, pour moi, ma chérie. Dans mon émission, c'est la nouvelle saison de Confidence. Ça fait longtemps qu'on avait fait une pause et là, on est là. Et je suis la première. Hein. Et tu es la première. T'es dans la merde. T'aimes bien le décor du coup? J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est très. C'est convivial. Convivial, voilà. Écoute, je t'ai ramené des petits gâteaux. Fais comme chez toi. On va apprendre à te connaître, Rebecca. C'est la première fois que tu fais une interview, non? J'ai fait déjà des plateaux avec la bande de Netflix. Mais une interview où tu parles de toi? Non, jamais. C'est la première fois. Ouais. C'était une volonté de ta part de cacher un petit peu... On m'a proposé plusieurs fois. Mais avec une femme, je pense que ça passe... Ça passe mieux, ouais. Je sais que tu as une histoire assez particulière. Toi, en fait, tu es née en France. Oui. Tu as une particularité. T'as été adoptée? Oui. La dernière fois, tu m'as dit, je sais pas qui m'a appelée Rebecca. Bah, ça, je sais pas. Tu vois, c'est fou quand même. Et je cherche même pas à savoir, mais voilà, derrière ça, il y a eu une histoire. C'est quand même une grande histoire, t'as vécu beaucoup de choses, t'as beaucoup voyagé. Bon, voyager, c'est quand on dit voyager, les gens ils vont imaginer c'est la vacance. C'est... Non, moi c'est pas... C'est-à-dire t'es allée... Je me suis installée dans des pays différents. C'est quoi ton souvenir le plus lointain? Eh ben, j'ai un souvenir, j'ai jamais parlé de ça. Ouais. Je me rappelle que quand j'étais petite, quand je courais, j'avais mal au visage. J'avais des grosses joues. Et quand je courais, ça... Non, mais c'est vrai. C'est vrai? C'est le souvenir que j'ai que quand j'étais bébé. Quand tu étais bébé? Quand je courais, j'avais tellement de grosses joues que ça me faisait mal de courir. Tu étais un bébé qui se portait bien alors? Toute ma vie, je me suis bien. Moi aussi, quand j'étais petite, c'était trop ça, je te jure. Il y a une citation qui dit que c'est derrière les plus grands sourires, les plus larges sourires, que se cachent les histoires les plus tristes. C'est vrai. C'est vrai? Toi, t'es une personne joyeuse, qui a toujours le sourire, qui fédère, qui a un grand cœur et tout. Je t'ai vu tout à l'heure avec ses coiffeuses. Elle dit « Ah, vous êtes mes filles et tout. » T'es super adorable, mais ça cache quelque chose. Bah, comme tout le monde, j'ai une histoire. Ça, la mère de ta maman, elle avait déjà adopté des gens, enfin, elle était famille d'accueil et tout ça, donc ils t'ont recueilli encore dans la famille. Oui, oui. Et donc ensuite, ta mère elle s'est occupée de toi et elle s'est mariée avec toi. Ma maman, c'était une très très belle personne et ma grand-mère aussi. Franchement, j'ai eu ma dose d'amour quand j'étais toute petite. Ouais. C'est quand ma maman à moi, elle s'est remariée avec cet individu-là. Ouais. J'avais quoi, 8 ans, 9 ans? C'est là que ça a commencé. Ça a commencé. Le cauchemar. Ouais. Non, le cauchemar, c'est rien, puisqu'on se réveille. Après un cauchemar, là, c'était à l'infini, en fait. C'était... Oh, mon Dieu, ouais. Putain, et ça ressemble à quoi, ton quotidien? Enfin, je veux dire, une enfant de 9 ans, du coup, qui vit... Ouais. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, oui. Ah ouais? Ouais. L'horreur.
Là, on ne parle pas de ça, ou on ne parle pas de... Là, c'est horrible. Voilà. Parce que j'ai beau raconter tout le mal qu'il m'a fait. Ah ouais. Mais il faut qu'on reste ici pendant 2 ans, 3 ans, parce que voilà, c'est interminable. Comment on fait pour subir voilà, toutes ces années de maltraitance? On parle de maltraitance Oui, de maltraitance, c'est tout ce qui va avec. Hein. Voilà. Tout ce que je n'ose pas dire à côté d'une caméra. Ouais. Voilà. Attouchement, tout ce qui va avec. Oui. En Algérie? Oui, en Algérie. Il était tellement psychopathe que même les fenêtres, il avait mis du parpaing. Il n'y avait pas, on ne voyait rien. La maison, c'était une prison en fait. Tu sortais quand même pour aller à l'école ou... Pour aller à l'école. Et après, tu rentrais et c'était... Et c'était 8, voilà. Et il ferme la porte à clé. Et après, à la maison, c'est le jeu du chat et de la souris. Waouh. Ouais. Franchement, je suis vraiment désolée que tu aies eu à vivre ça en tant que quand tu étais petite. Comment tu as réussi à te sortir un petit peu de ces maltraitances tout ça, tout à un ça, moment donné, pas... j'arrivais plus et je me suis enfuie de la maison. T'es partie? Oui. Et je parle d'une Algérienne. Qui sort de la maison à un âge très jeune. Ouais. Et elle se retrouve où? Dans la rue. Dans la rue. Tu as vécu dans la rue. Et après, moi, j'avais pas mes papiers français, j'avais rien. Je suis partie, Allez, après, il faut prouver que c'est toi, cette personne-là. Et c'est parti pour une. Ouais. Ouais. Après, tu as perdu ta maman? Ma maman, je l'avais perdue à l'âge de 11 ans. Donc, tu avais déjà perdu ta maman. Donc, tu es restée en Algérie ou après? Je suis restée en Algérie. Non. Je suis restée en Algérie toute. Ma maman, elle est. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, en fait. Ouais. Je suis partie avec ma maman en Algérie. Ouais. Parce qu'elle s'était mise avec cette personne-là. Et on arrive en Algérie. Un an après, même pas 9 mois, elle décède. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me déchire mes papiers et je reste là-bas. Voilà. Et donc, tu étais avec. C'était même pas lui qui. Enfin, c'était pas lui qui t'avait adopté. C'était, mais après, il avait reconnu là, que j'étais sa fille. D'accord, donc il t'a reconnu et après, oui, t'a. Exactement. Et j'ai vécu toutes ces choses-là. C'était horrible et voilà. Je souhaite ça à personne. Rien que d'y penser, déjà, j'ai chaud. Ouais, bah ouais. Depuis tout à l'heure, je me plains de. D'avoir froid et du coup, là, ça. Et donc, ensuite, tu t'es enfui? Je me suis enfuie, oui. Parce que tu supportais plus... Ah ben non, c'était trop, c'est bon. Personne ne peut supporter ça. Ouais. C'est impossible. C'est un film d'horreur. Tous les soirs, c'est de l'horreur. Tous les jours, tous les soirs, chaque seconde, chaque minute, tu te fais frapper, tu te fais bip, tu... Qu'est-ce qui ne m'a pas fait cette personne? T'as pas porté plainte? T'as pas essayé de porter plainte? Une fois, je m'en rappelle comme si que c'était aujourd'hui. Je suis allée à la gendarmerie. J'étais toute petite. Je leur ai dit, voilà ce qui m'arrive. Eh ben, on m'a donné un coup de pied. Quoi? Oui. Mais à la gendarmerie... Donc tu leur as dit qu'ils t'avaient violée? Oui, voilà, tout. Oui. Et quand tu t'es enfuie, t'es partie te réfugier chez quelqu'un ou tu t'es retrouvée à la rue? C'était des copines. C'est des copines? Oui. Donc tu es allée chez des copines, entre copines et copines? Entre copines et copines. Après, j'ai eu un certain parcours. Ouais. Voilà. Ça m'a mis 2 ans, 3 ans pour refaire mes papiers. Pour refaire tes papiers? Ouais. Parce que tu es née en France, donc tu es voilà. Censée avoir tes papiers français et tout ça. Et c'est une assistante sociale qui était à l'ambassade d'Algérie qui m'a aidée. Heureusement. Et c'est elle. Elle s'appelle Geneviève Saraf. J'ai jamais oublié son nom, pourtant ça fait depuis des années. Ouais. Ah, c'est des... Et après, c'est elle qui m'a placée dans une école. D'accord. Une école de... Il y avait un père, c'est un chrétien, voilà. C'est une église, jésuite. C'est pas une église, c'est une école. L'école de bonnes sœurs? De bonnes sœurs, voilà. En Algérie, l'école, elle s'appelle Siara, les Algériens vont reconnaître. C'était à... Boufrizi, exactement, c'est à côté de Bab el Oued, tout ça. Ouais. Et ben, l'ambassade de France, elle m'a. Je suis allée là-bas, j'étais logée, nourrie. Heureusement. Ils me donnaient des billets, les gens de l'ambassade, ils étaient super gentils avec moi. Ouais. J'étais le bébé de l'ambassade, en fait, ils venaient, on me donnait de l'argent, on m'a aidée, on m'a. Ouais. Oui.
ton beau-père, c'était, il a, je pense il a que essayé c'était de te retrouver ou pas? Plus belle période de ma vie. Ouais. Non, il n'a pas osé. Il n'a pas osé, ouais. Ouais. Moi, je trouve ça ouf que tu sois allée à la police, etc., et qu'on t'ait rejetée. On m'a frappée. Et c'est la vérité. Hein. Ah non, mais je te crois. Et donc, du coup, ensuite, tu m'as parlé du Liban. Le Liban, c'était le deuxième épisode. Je suis venue en France, ouais, toute jeune, et je suis allée chez ce monsieur-là qui était mon père. Il pouvait pas me... Et moi, j'étais naïve, je suis pas comme maintenant. Maintenant, je suis pleine de vices. Hein, Ouais, t'étais encore enfant. Voilà, j'étais jeune, je me retrouve dans un pays que j'avais quitté bien. Quand j'étais petite. Ouais. J'avais perdu tous mes repères, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie au Liban chez sa mère. D'accord. Parce que lui, il a refait sa vie, il pouvait pas s'occuper de moi. Il a fait d'autres enfants, etc. Voilà. Voilà. Et après, c'est reparti. Et rebelote. Sa mère? Elle était gentille avec moi, mais après, c'était la pauvreté. C'était, ouais. On n'a pas de quoi manger, on ne peut pas s'habiller, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. Il ne faut pas sortir. Parce que moi, j'étais pas à Beyrouth. Hein. Les gens, quand tu dis ouais, Liban, dit ils croient que c'est Haïfa ou Erbil. Ouais. Non, moi, j'étais dans le sud. Et là-bas, il n'y a que des chiites. Et ils sont très, très conservateurs. D'accord. Alors... Même respirer, je ne sais pas comment me laisser respirer, hein, voilà. Donc c'était vraiment un mode de vie assez, assez drastique. Mais c'était mieux que l'Algérie. Ouais. Voilà. Oh non, mais l'Algérie, t'as subi un enfer, là. Oui. C'était horrible. Et donc au Liban, tu continues un petit peu la fin de ton adolescence là-bas. Tu vas à l'école, tu t'essayes de... Non. Non, tu n'as pas été scolarisée là-bas? Non. Quand on a cet âge-là au Liban, on veut se marier, on veut avoir D'accord. un foyer. Et moi, je voulais ça aussi, ouais. parce que voilà, toute ma vie, j'ai jamais eu d'amour. La seule personne qui m'a donné de l'amour dans cette vie, c'est ma grand-mère, Jedda. Mm-hmm. C'est on dit en kabyle. Ouais. Voilà, c'était la seule personne qui me donnait... Voilà. Et moi, je voulais quelqu'un, je voulais avoir un papa, je voulais avoir un frère, je voulais avoir un amant, je voulais... Tu vois ce tu que je veux dire? Tu as besoin de fonder ta propre voilà. famille parce je voulais que t'as avoir pas eu ma ce famille. Bonheur. Voilà, alors je voulais... Ouais. Je croyais que c'était ça, en fait. C'était comme ça que je pouvais avoir de l'amour et du bonheur. Et j'ai choisi les mauvaises. Je me suis mariée avec la mauvaise personne. Ouais. Je le dis. Après, moi aussi, j'avais mes états d'âme. J'étais, oui, j'étais jeune, en même temps, j'étais peut-être traumatisée envie. Par ouais. la vie. Ouais. Ouais. Donc, il venait du Koweït, tu m'as dit. Donc, il t'a un petit peu mis des paillettes dans tes yeux ouais. et tu l'as vu comme un homme salvateur qui pouvait ouais, te sortir c'était de ton Zorro, quotidien, c'était le vois. Sauveur, c'était le... Parce que le Liban, c'était pas rose là-bas, tu m'as dit non. que c'était horrible. Donc, ce monsieur-là est venu te chercher. Très sérieux, très, voilà. Pour te marier. Ce qu'il me fallait. Voilà, et ensuite, tu déménages au Koweït. Oui. Et là, ça se passe comment? C'est encore pire? Les malheurs de Sophie, c'est ça. Ah ouais. C'était tout beau, tout rose, et après, on découvre des choses. Et... Donc, t'es arrivée dans un appartement là-bas au Koweït, ouais. donc lui, il était quelqu'un qui avait les moyens quand et même. Oui, et là-bas, le problème, en fait, je pense que c'est toujours le cas. Si tu vis au Koweït, un Koweïti, il a toujours raison, oh. et toi, t'es l'étrangère, tu n'as jamais raison. Voilà. Je pense que c'est toujours le cas. Chez eux, ouais. c'est comme ça. Lui, il a toujours raison et toi, tu n'as jamais raison. Par exemple, si tu vas déposer plainte, lui, il a raison, toi, tu n'as pas raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, raconte-moi. Je me suis cassée, ma chérie. T'es partie vite. Ouais. Je vais pas raconter les... Ah ouais. Presque 6 ans. Ouais. Ah, quand même. Hein. En plus, hier, je commençais à compter, en fait. Je suis partie cette année. J'ai ouais. compté les années. Ouais. Tu m'as dit que, bon, après, tu as découvert qu'il était marié. Ouais. Tu l'as pris comme une trahison? Non, j'ai rien pas, dit. J'ai rien pas dit j'ai pas du tout fait la femme choquée ou tu t'y attendais que j'allais ou me faire casser la gueule. Ouais. Non, j'ai dit, ouais, d'accord, c'est bien. Ok. Ouais. Et après, quand on n'aime pas la personne, en fait, ouais. on s'en fout. Ouais. Voilà. Ouais, ça y est, en fait, et les années, je blasée, me suis dit, voilà. Avec tout ce que tu as vécu, tu as mis une carapace autour ouais. de toi. Je me suis dit, Rebecca, contente-toi. Tu as un lit. Ouais. Tu as une chambre. T'as une porte, t'as ta télévision, t'as de quoi te faire remplir le ventre, dis l'hamdoulilah. On nous a toujours appris ça, nous, les femmes arabes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Hein? Ouais. Je parle pas, c'est pas une généralise pas, mais
80% c'est comme ça. Dis l'hamdoulilah, ferme ta gueule, t'as un toit, contente-toi de ça. Et moi, avec tout ce que j'ai vécu, je me suis dit ça. C'est voilà. Parce que si je pars d'ici, ou j'aurai quoi ailleurs en fait? Je m'attends à quoi? J'ai rien. Surtout dans un pays qui n'est pas le tien. Oui, tu avais des amis là-bas, t'as rencontré des gens, pas du tout. En fait, dans cette époque-là, la France n'était pas mon pays. Mm-hmm. Le Koweït n'était pas mon pays, l'Algérie n'était pas mon pays. J'avais pas de pays, j'avais pas de repères. Mm-hmm. J'étais. Donc voilà. Tu pouvais pas te référer à quelque chose. Rien du tout. T'avais pas d'amis. La seule chose, je m'accrochais à Dieu. Ouais. Voilà. Du coup, t'avais pas d'amis du tout. Tu connaissais personne au Koweït? Non. Donc t'étais séquestré que dans une prison dorée. Oui, et voilà. Ils faisaient ce qu'ils voulaient de toi, ils venaient rentrer. La prison, elle était dorée avant. Avant? Ouais. Après, ça commence. En fait, c'était pas de l'or. Je commençais à gratter, c'était du plaqué or. C'est du rouillé, quoi. C'est du rouillé. Ouais. Comment t'as fait pour te barrer comme ça du jour au lendemain? Parce que tu m'as dit qu'il avait pris tes passeports aussi. Oui. Il y a un truc avec les papiers, c'est un truc de fou. Hein. Oui. Première histoire, les passeports. Les papiers. Ouais. Comment t'as réussi à. Ben, le jour où j'ai mis la main sur les papiers. T'es parti. Je suis parti. Je me suis cassé direct. Et je suis parti sans qu'il le sache, hein. Rien du tout. Ouais. Du coup, aujourd'hui... J'irai jamais dans ces pays-là. Ah ouais. J'ai peur. Et maintenant que t'es connue, s'il revient, Ah non, regarde. Je suis une femme aujourd'hui, j'ai 42 ans. Tout le monde a essayé de revenir, mais là, je suis avec quelqu'un. Ah ouais, non, J'essaye pas du tout. Tu crains pas parce que... Ils peuvent rien me faire. Ouais. Non, mais maintenant... Parce que tout ce que je voulais, maintenant, je l'ai trouvé. Ouais. J'ai le vrai. Ouais. J'ai l'homme. Ouais, je sais. The man. Oui. On va en parler là tout à l'heure. Donc, du coup, tu arrives à Téhéran. Tu m'as dit que tu es partie à Téhéran. Oui, parce que c'est la ville la plus proche. Plus proche, après, tu veux que j'aille où? En Irak, c'est la guerre. Ouais. Dubaï, c'est des mouchards. Ouais, je pouvais rien faire. En fait, il y avait moyen que si c'était aux Émirats Arabes Unis, il y avait moyen qu'on balance à lui parce que c'était quelqu'un qui connaissait beaucoup de monde. Quoi. Même s'il ne connaît pas, c'est un Koweïtien, ma chérie. C'est un Koweïtien, du coup. C'est des cousins. Ouais. J'avais peur, en fait. Je suis devenue paranoïaque. Voilà. Tu vis dans la paranoïa, dans la peur, avec une boule dans le ventre, un truc ici qui je ne sais pas, on dirait que tu as avalé une gourde et qu'elle est restée coincée ici. Et ça part pas, tu vis avec ça, H24. Ouais. Quand tu es rentrée à Paris, du coup, comment tu as fait pour... Tu connaissais des gens ici? Personne. Donc, du coup, tu as fait comment? T'étais... Bon, en fait... T'es arrivée tu m'as dit que t'avais un tout petit appart. Tu sais quoi? Aujourd'hui, même si je parle pas avec la famille de ma maman, je parle pas avec eux, mais j'ai pas de contact. J'ai le contact avec une seule tante. Mais je n'ai pas envie de salir leur image, je ne sais pas, tu vois. Je comprends, ouais. Mais je me suis retrouvée toute seule. Ah ouais. Ouais, quand je suis arrivée en France. Et donc des petits boulots, à droite, à gauche. Ouais. On essaye de joindre les deux bouts. Ouais. Et tu dors dans le métro, tu montes dans les bus toute la journée, tu fais... Ouais. Ça va. Je suis désolée, hein. Franchement, c'est toi, tu m'as... C'est horrible. Et comment t'as fait pour... Parce que j'imagine que, je veux dire, est-ce que t'as pas eu l'impression d'être seule au monde et de subir cette injustice? Parce que, je veux dire, avec ça, il y a la dépression, il y a... Est-ce que... Ah non, on n'a pas le temps d'avoir de dépression. Ah ouais, t'es toujours dans l'action, en fait. Oui, t'as pas le temps de devenir dépressif. C'est après ça, c'est à la fin que tu deviens dépressif. Ouais. Quand tu fais une rétrospective de tous les moments qui t'est arrivé. En fait, c'est quand j'ai commencé à gagner de l'argent, c'est quand j'ai pu avoir une vraie maison, une vraie vie, c'est quand j'ai pu poser mes valises, c'est là que la dépression a démarré. Parce que là, tu prends conscience de tous les étapes de malheur que tu as eu à subir, quoi. Bah oui, après tu te dis, pourquoi j'ai pas la vie de tel ou un tel, ou une maman, un papa, des études, une vie normale? Avec tout ce qui est bien, tout ce qui est mauvais. Et après, là, tu te dis, ah ouais, j'ai fait ça, je voulais pas faire ça, mais j'ai fait ça. Parce que... Et tu mens. Ouais. Toute ma vie, j'ai menti. Ouais. Pour,
pour me protéger. Pour te protéger, ouais, parce que c'est... Et puis même, je ne sais pas s'il y a tout le monde qui peut encaisser ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire ? C'est difficile à imaginer. Se dire une personne aussi ouais. chaleureuse, aussi vivante, aussi joyeuse que toi ait eu à traverser ces J'étais très épreuves, humaine. Hein, j'étais, ouais. Toute ma vie, j'étais une personne très... Et comment t'as fait pour réussir à garder ton humanité? Parce que quand on est confronté à ce genre de circonstances... J'ai pas gardé mon humanité. On peut tourner dans le vide. C'est un dans mensonge. J'ai pas gardé ce côté très humain. Ah bon? Ce côté-là, il est parti avec les réseaux sociaux. On dirait que j'ai... On vend nos âmes au diable, hein, c'est ça. Mais non. Oui, je te jure que c'est ça. Ah ouais? Indirectement. Mais écoute, non, parce que moi, je le prends au contre-pied. Parce que c'est vrai que c'est ce que je te disais la dernière fois. Tu as manqué d'amour toute ta vie, ouais. tu vois. Et aujourd'hui, et les gens, ils ont été mauvais avec moi. Et les gens t'aiment, tu vois. Les gens, ils m'ont fait souffrir. Hein. Ouais. Je sais, ouais. Je sais. J'ai même aujourd'hui. Franchement, même aujourd'hui, ouais. Même si je ne le montre pas, même si je fais... Je reste toujours la tête haute. Ouais. Et je resterai toujours la tête haute, Inch'Allah. Mais les gens, ils sont mauvais, ils sont méchants. Ouais. C'est pour ça que des fois, je suis méchante. Après, mais maintenant, t'es... Bah, t'as raison. Hein. De toute façon, faut se défendre, faut plus se laisser faire. Et je pense que t'as tellement subi que c'est juste le juste retour des choses. Tu sais, c'est bien aussi d'avoir son amour propre et de se faire passer avant. Tu vois, toute ta vie, tu as souffert, tu étais en retrait, on a abusé de toi, on t'a manqué de respect, on t'a frappé, on t'a négligé, on t'a laissé dans la galère. C'est le mot, négligé. Ouais. Voilà. Donc maintenant, tu te mets en premier et tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et donc, du coup, comment t'as fait pour passer justement de ces petits boulots de galère aux réseaux sociaux et à devenir... Les réseaux sociaux, c'est toute une histoire. Ouais, c'est fou quand même. D'où t'as eu l'idée de te lancer? En fait, j'avais Snapchat, ouais. comme tout le monde. Ouais. Mais moi, quand j'avais mon Snapchat, parce qu'après, quand je suis partie du Koweït, je suis repartie aussi au Liban. Ouais. Je suis restée là-bas ouais. plusieurs années. Ouais. Et bref, c'est même au Liban que j'ai ouvert mon Snapchat. Ah ouais. Et les gens, ils aimaient bien, parce que je faisais des make-up, j'étais un petit peu jeune, j'étais plus fraîche que non, maintenant. Non, t'es belle, arrête tes conneries. Voilà, je plaisais. Maintenant, tu plais toujours. Non, non, je ne veux pas du tout, je plais à mon homme. Oui, tu plais à ton homme, mais tu plais aux femmes aussi. Tu vois ce que je veux dire? On te trouve belle, on te prend un exemple. Quand tu fais tes make-up, tu te maquilles super bien, on te suit, on regarde. Ah, c'est gentil. C'est vrai, hein? Tu t'apprêtes. Moi, je t'ai vue sur TikTok, ouais. tu vois. Et je suis là, mais c'est qui cette bombe? C'est qui cette fille qui merci. Nous donne du courage et tout? Même tes petites leçons de morale, à chaque fois, tu reboostes le caractère. Tu donnes des conseils aux femmes. Ouais, mais des fois, je suis chiante aussi. Non, mais moi, c'est je le reconnais. Du divertissement. D'ailleurs, pourquoi t'as mis Diva devant Rebecca? Après, je leur dis des fois, Kaboudo, je suis Oui, mais c'est ça qui est bien. Justement, t'es entière. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, c'était Rebecca Libanon. Et après, t'as mis Diva. Et c'est les gens, les filles, mes filles, bon, les filles, les followers, je les appelle mes filles. Ouais. Elles ont commencé à me dire, toi, t'es une diva, parce que je remballais tout le monde. Je remets tout le monde à sa place. Ouais. Et voilà. En fait, moi, j'étais sur Snapchat. Ouais. J'avais ma petite communauté, mais c'était pas, je voulais pas devenir une... quelqu'un c'était de connu. Début, quoi. Voilà. Et une fois, il y a une fille, elle m'a insultée, je lui ai répondu mal. Une copine à moi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la vidéo, elle la partage. Et tout le monde commence à chercher, c'est qui elle? Et après... On a pas fait de fou rire, et après, du coup, t'as lancé ta chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube, c'était en 2019, ouais. Ça, c'était à la fin. Ouais. Bah écoute, avant de parler de ta chaîne YouTube, on va faire un petit jeu. Ça s'appelle Info Intox. Vas-y. D'accord? C'est parti. Là, t'as déjà répondu, mais bon, l'info, vas-y. C'était, il paraît que tu t'appelles Diva. Parce que tu fais trop ta diva comme Maria Carré. Info ou intox? Intox. Intox? Pas comme Maria Carré. Non, pas non. du tout. Moi? Non. Moi, je suis trop... Moi, je suis une paysanne. T'es une paysanne, toi? Mais oui, moi, j'aime rigoler. Je fais pas non, de chichi. Non, tu la racontes pas. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est juste, on t'a dit diva parce que tu remballes les gens. Je remballe les gens et j'aime le luxe. T'aimes le luxe? Attends, c'est quoi cette collection de sacs à main, de toutes les marques, etc.? J'aime ça. T'aimes? Ouais, mais le cambrioleur, ils vont avoir mon adresse. Ah oui, non. Non, ouais, j'ai rien. Elle n'a rien, d'accord.
Non, mais passion, c'est un petit peu les sacs à main, les belles pièces. Quoi. J'aime ça. Info Atox, il paraît qu'on t'a déjà approché pour faire de la télé-réalité. Oui. Ouais. Du cinéma. Ah, du cinéma. Fait ton Netflix, beaucoup de choses. Mais ah, j'ai jamais cool. accepté parce que je suis quelqu'un de très timide. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Les gens, en vrai, je suis très, très timide et je suis mal à l'aise en face d'une caméra. Moi, je suis bonne qu'avec mon téléphone. Oui, là, avec ça moi. Va. Oui. Parce on les oublie. Hein. Ouais. Ouais. Non, mais moi, je te trouve tellement télégénique, en fait. Je te verrais bien, même dans un programme, pas forcément de la télé-réalité, mais peut-être au cinéma, des films. D'ailleurs, j'ai vu ta participation avec Fadel sur ouais, YouTube. Fad. Oui. C'était un petit sitcom et j'ai participé. Mais c'est vachement bien. Moi, je l'ai trouvé super crédible en tant qu'actrice. En plus, je l'aime cas. Beaucoup, ce mec-là. Ouais, bon, on lui fait un gros bisou. C'est moi, je suis sa grande sœur, t'as vu. J'ai fait la vidéo avoir une grande sœur avec lui. Et tu sais que même dans la rue, les petits, ils sont tous là. Ils me disent, ah, mais c'est toi la sœur de Fad. Je leur dis, j'aime bah, trop, c'est un amour, ce mec. Il est adorable. Alors, info ou intox, il paraît que tu as un petit regret sur une de tes opérations. Oui. Info, donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait En fait, ma rhinoplastie, là, tu la vois en vrai, c'est pas comme sur la caméra. D'accord. T'aimes ou t'aimes pas la forme de mon nez? Moi, je trouve droit, je trouve bien. Ça, c'est à cause des injections, c'est mon docteur. Okay. C'est mais en fait, t'étais partie où Je dirais pas, j'ai tu pas envie pas de... Oh, voilà. Non. En fait, c'est cette cicatrice qui m'a... J'avais trop d'espace ici entre le nez et la lèvre. D'accord. Il y avait de l'espace. Ok. Et apparemment, il y a des opérations pour te remonter, pour... Et il m'a laissé une cicatrice. D'accord. Et ça va ça encore. Ça peut se réparer hein. ou... Là, je suis en train de la réparer, on dirait un vase. Je suis en train de la, je suis en train de la réparer, mais voilà. Ouais. Moi qui aime beaucoup le maquillage. Ouais. Mais franchement, voilà. moi, je la vois parce que tu m'en as parlé, ta cicatrice. Mais il y a des moyens de l'enlever, etc. Donc, c'est réparable. Laser, oui. Moi, ça ne me choque pas, en tout cas. C'est vrai? Non, franchement, voilà, ça ne me choque voilà. pas. Voilà, c'est gentil. Ouais. Il paraît que tu as subi du harcèlement. Sur les réseaux. Moi ? Oui. Même ce matin, moi, c'est ce tous matin, les jours. C'est t'as une horde de haters, en fait, c'est ça Oui, c'est toute une armée d'haters. Ouais. Ouais, mais moi, je m'en fous d'eux. Hein. Ouais. Je m'en fous. En fait, est-ce que je peux dire les mots comme, oui. comme ils veulent sortir ? Oui, bien sûr. Moi, pour moi, ces haters-là, c'est des gens qui n'ont rien compris à la vie. C'est des vieilles ou des jeunes qui sont mal baisés. Ouais. Hein. Désolée pour le terme. Ouais, je ouais, peux ouais. mettre un bip. Non, mais... Voilà, ils sont malheureux dans leur vie. Ouais, mais c'est ça en général. Voilà, ils sont moches, ils sont gris, ils sont méchants. Et voilà. C'est quoi les trucs qu'on te dit des fois qui sont méchants? Que je suis. On me traite de travelot. Oui, c'est surtout ce mot-là qui ah, sort. Ouais, ouais, parce que moi, je suis à main transsexuelle. Ah bon? Avec tout le respect que je dois aux transsexuels. C'est des ouais, super ouais. belles femmes. Ouais. Voilà, mais voilà. On dit que je suis ceci, que je suis cela, que je suis de la merde. Et à chaque fois, on me rappelle que je ne suis pas une Algérienne. Voilà. Mais après, je m'en fous. Parce que je reçois tellement d'amour que eux, je ne les vois même pas. Ils me font de la peine, en fait. Bah ouais. Bon, en général, c'est les gens malheureux qui critiquent. Voilà. J'ai été malheureuse toute ma vie, mais jamais, t'as jamais fait ça, je suis allée comme ça insulter quelqu'un gratuitement parce que... C'est l'éducation. C'est, ouais, voilà. c'est beaucoup ça et aussi. Et après, les haters, il y en a partout dans le monde. Hein. Ouais. Ils sont malheureux. C'est fou quand même. En plus, t'attaquer sur un truc, ça te blesse, sur non ta féminité. C'est ça me blessait avant. Avant, ouais. Ben, ils ont fait ça aussi à la chanteuse, là, comment elle s'appelle, la grande chanteuse. Sheila. Sheila Sheila, ouais. Sheila, ouais. Ouais, c'est voilà. ça, ouais, Sheila. Ben, aussi, elle a eu ses rumeurs. Lady Gaga, elle a eu le droit vrai, à ça. Ouais. L'autre, il y en a là. Plein, ouais. Il y en a plein qui ont eu ces rumeurs, ouais, mais... Et l'autre aussi qui chante « It's raining men », alléluia, je me rappelle pas. C'était pas la c'est meuf. C'est qui chante ça ?« It's raining men ». ».« It's raining men ». Alléluia. C'est la belle, là, la brune. Ah, c'est petit. Cher, je pense, non mmh. C'est ça. Cher aussi, on l'a... Alors que Cher... En tous les cas, moi, je n'ai pas à me justifier. Non, que mais j'ai... t'as pas à justifier. Ouais, voilà. Que j'ai une queue ou une tomate entre mes cuisses, ça me regarde que moi. Voilà. Ok, regarde, mets ta main avec moi. Regardez, impossible déjà, d'accord ? Pourquoi ? J'ai plus grande main qu'elle, parce que tu sais non, très mais... bien les mains. Mais ça veut rien dire. Si. Ben non, je suis un homme, mais je suis un nain.
suis petit. Non, mais c'est quoi? Là, ils vont dire, c'est de la discrimination. C'est quoi? Et tout. En France, on a peur de parler. Hein. Ouais, non, il n'y a pas de discrimination, il n'y a rien. C'est juste ces personnes-là. De toute façon, on ne va pas arrêter de parler, de faire parler ces gens-là. De toute façon, donc laisse-les dans leur coin. Et moi, je m'en fous. C'est pas intéressant. Ils pensent de moi ce qu'ils veulent. Moi, mon mec, il sait ce que je suis. Moi, je sais ce qu'il est. Ouais. Voilà. Info ou intox, il paraît que tu fais des centaines de milliers de vues dans tes stories. Oui. C'est vrai? Ben, t'as vu. Ouais, j'ai vu, c'est un truc de fou, hein, vraiment. Comment tu l'expliques, cet engouement que les C'est les gens qui m'aiment. Ouais. Ouais. Les Algériens, les Marocains. Là, je commence à avoir quand même un peu de... Bon, avant, j'étais pas connue en France. Et ça commence à cause de Snapchat. Voilà, parce que... Mais je reçois beaucoup d'amour. Après, ma plus grosse communauté, c'est les Algériens. Ouais, la base. Ouais, bah oui. Voilà. Les Marocains, ouais, que j'aime beaucoup aussi. Les Tunisiens. Et après... Donc, tu penses que c'est une belle revanche sur la vie, toi qui as manqué d'amour toute ta vie. Aujourd'hui, oui, tu le reçois beaucoup via les réseaux sociaux. En fait, dans le Coran, il y a « Wala taqnatu min rahmatillah ». Ça veut dire... En gros, il faut avoir de la patience, faut voilà. Ouais, ben là, ouais. Tu vois, ma famille, elle a pas été là pour moi. Moi aussi, j'ai pas été là pour eux, peut-être, je sais pas. Chacun a sa version des choses. Tu avais 8 ans, ouais. T'étais un bébé. C'est tu vois ce que grave. Je veux dire? Tu vois, j'ai jamais eu tout ça. Mais tu... déjà, c'est bien. Moi, de l'amour, quelqu'un qui rien que tu dors, quelqu'un vient te gratte la tête. Moi, j'ai pas eu ça. Et là, j'ai des millions de personnes qui m'aiment. C'est pas beau. Mm. J'ai gagné beaucoup d'argent grâce aux réseaux sociaux. Et le plus beau, c'est l'amour que je reçois. Mais c'est vrai que l'argent, c'est bien. Bah oui, ça aide l'argent, surtout quand on a manqué. C'est quoi qui est plus dur? C'est le manque d'argent ou c'est le manque d'amour qui est plus dur? Le manque d'argent, pendant 38 ans, j'ai vécu, je respirais, je mangeais, je m'habillais. Quand les gens ils m'ont connu, ils ne m'ont pas vu à la rue, ils m'ont vu dans un petit studio. Mm-hmm. Même si c'était un petit studio merdique. Mais j'étais là, je vivais, j'existais. Mm-hmm. Mais l'amour, en fait, c'est l'amour, je trouve. C'est difficile. Et là, je ne suis pas hypocrite. Hein. C'est ça. C'est ça le plus beau dans toute cette histoire. Parce que c'est cet amour-là... Que tu as maintenant, qui arrive vers toi, via tes réseaux, via ton chéri maintenant. Oui. C'est une belle revanche sur la vie. En fait, tout est venu en même temps et j'ai connu mon homme juste après. C'était les réseaux sociaux, mais juste après, hein, ça c'est... Là, je te parle de un mois, c'est pas... C'est fou, hein. C'est comme un cercle vertueux. Voilà. Après des années de galère. Je me rappelle, regarde, le mois de août, j'avais pas un euro. Non, c'était le mois d'avril, j'avais pas un euro. J'avais même pas de quoi manger. Même pas de quoi payer mon loyer. Le mois de mai, mon homme, je l'ai michetonné. Non, je rigole. Tu l'as rencontré à Sephora, tu vois. À Sephora. Il est vite dragué, ouais, mais il parlait pas français. Je voulais essayer. Enfin, ouais. Rentrer dans la peau d'une michetonneuse. Non, je rigole. Non, mais je l'ai michetonné. Je l'ai michetonné un peu. Ouais, ça va, maintenant vous êtes mariés, donc c'est pas très grave. Hein. Voilà. Le mois de mai, juin, juillet... Ouais. Tu veux que je te dise, j'ai jamais dit à personne. Ouais. La première somme que j'ai touchée sur les réseaux sociaux, c'était 3000 euros. Wow. Et quand t'as rien pendant des années, tu touches 3000 euros, c'est... D'un coup, oh mon Dieu, wow. Je suis riche. T'as gagné au loto. Ah, ouais, I'm rich. T'as acheté quoi avec ton salaire? Rien. Rien? T'as mis de côté, t'as coffré. Moi, j'ai toujours coffré. Ah, t'as raison, voilà. Oh, putain. Et le deuxième mois, tu veux que je te dise combien j'ai gagné? Dis-moi. 15 000 euros. What? 15 000 euros, ça, j'ai eu la diarrhée pendant un mois. Ah oui, les 15 000 euros. Punaise, waouh. Mais c'est un truc de fou, dis donc. Ouais, mais ça aurait dû durer les 15 000 euros. Ouais, et hélas, après, non, ça commence. Voilà, ça descend et tout, mais ouais. Ça, c'est les montagnes russes. C'est la vie d'artiste, quoi. Ouais, ça, c'est avant, maintenant, ça n'a rien à voir. Voilà. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant, ouais. Et ça, c'était YouTube qui payait. Hein. Ouais, bah oui. Pourtant, je n'ai jamais dit... C'est la première fois que je dis. J'ai touché 3000 euros. Avec YouTube, en postant des vidéos sur YouTube? Oui. Et après, c'était 15 000 euros. Et là, c'était bon. Excusez-moi. Ah ouais. Ah ouais. Après, on oublie vite d'où on vient. Et moi aussi, j'ai oublié d'où je venais. Ouais. Mais je me suis donné une claque et je me suis dit...
Calme-toi, développe tous tes business, voilà. etc. Après, je voulais des sacs Chanel, je voulais ceci, je voulais cela. Ouais. Pendant quand même une bonne petite année. Hein. Ouais. Et donc, tu as continué YouTube ensuite? Après, c'était YouTube. Après, j'ai eu la chance de... Il paraît que tu as créé ta chaîne YouTube pour te venger d'un mec. C'est vrai, ça? C'est qui t'a dit ça? J'ai vu ça dans l'interview pour IRM. J'ai regardé et t'as dit... C'était pour mon... En fait, non, ça, c'était Snapchat. Ah, sur Snapchat. D'accord, ok. Parce qu'il aimait regarder les meufs bien maquillées et tout. Et moi, j'étais... Je dis, t'aimes la khab, ben on devient tous. Nous aussi, on sait se maquiller, on sait danser. Et du coup, t'as fait tes petits make-up et tout ça. Et voilà. Après, ça a pris. Ouais, ça a pris. Maintenant, lui, il est toujours pauvre et moi, je suis riche. Un petit pic, allez. Voilà. Si tu nous regardes, on passe le salam. Non, mais voilà. Donc, du coup, l'aventure YouTube, ça a démarré comme ça. Après, L'aventure YouTube, je faisais beaucoup de lives sur Instagram. D'accord. Donc, c'est les lives Insta. Et les gens, ils prenaient mes vidéos et ils s'enrichissaient avec. Moi, je ne savais même pas que YouTube, ça payait. Okay. Après, il y a une fille. Ils postaient tes vidéos, ils faisaient des screens et ils mettaient sur YouTube, ils gagnaient de l'argent. Après, il y a une fille, elle a une page qui s'appelle Al Hukouma, l'État. Elle m'a dit, ben viens, je t'aide à ouvrir une chaîne YouTube et gagne ta vie. Toi, tu aboies toute la journée gratuitement et les gens, ils gagnent des milliers d'euros sur ton dos. Depuis des années. Elle m'a ouvert la chaîne. Elle m'a aidée. Après, je lui dis, t'es tellement une fille bien. Allez, moi et toi, c'est 50-50. Sérieux? Jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pas vrai. Si. Parce qu'elle m'a tendu la main. C'est vrai, ouais. Bah écoute, franchement, c'est un truc de fou. Je savais pas que t'avais une associée sur ta chaîne YouTube. Ouais. C'est incroyable. Incroyable. Et pour te maintenant, dire que t'es une personne de parole, parce que tu es toujours en mode... On fait 50-50 depuis 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Et je ne changerai pas. Et même si je sais que je gagnerai des millions toute seule, ben, je préfère les partager avec elle. Ouais, punaise. C'est tout à ton honneur, vraiment. Parce qu'elle a été là, c'est elle qui me faisait les pubs. Moi, je ne m'y connaissais pas. Mm. Parce que voilà, limite, je suis une illettrée dans ce domaine-là. Bien sûr. Elle a été là pour moi la première année. Moi, je ne crache pas sur les gens qui me tendent la main. Ça, c'est l'une de mes qualités. Bah vraiment, je suis... Quelqu'un qui me donne ça, je lui donne ça. Mais pas maintenant. Mmh. Oui. Quand j'étais rien. Mmh. Parce que maintenant, tout le monde veut gratter l'amitié. Bien sûr. Bah oui. Ouais. Là maintenant, ça te fait pas bizarre parce que c'est vrai que bon... On n'arrive plus à faire confiance. Ouais. T'as du mal, hein. Bah oui. Maintenant, j'ai mal. Ouais. J'ai eu des déceptions. Moi aussi, des fois, j'ai été conne. Moi aussi, peut-être que j'ai été méchante. En tout cas, après, moi, je ne suis pas parfaite. Hein. Moi aussi, j'ai mes humeurs. Il faut me supporter. Hein. Voilà. Mm. Et je suis lunatique. Mm-hmm. On dit lunatique. Oui. En fait, mes humeurs, c'est... Là, je suis bien, je rigole. Ouais. Après 5 minutes, je peux commencer à pleurer. Normal. C'est normal. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as tellement vécu des choses traumatisantes dans ta vie que... Tu sais, la réalité qu'on vit, on se la crée nous-mêmes. Oui. Mais quand on retombe dans nos vieux démons, on se sent très seul. Et c'est ça, en fait, qu'il faut réussir à canaliser, en fait. Et toi, je pense qu'avec les années, tu as forgé cette carapace un petit peu autour de toi et de ton cœur. Et aujourd'hui, quand tu te laisses aller et que tu commences à rigoler, tout ça, tout va bien et tu t'assois 5 minutes et là, tu reprends conscience de tout ce que tu as traversé. C'est comme une petite prison que tu te mets dans la tête, en fait. Mais ouais, il faudra encore beaucoup, beaucoup de temps pour que tu prennes conscience que oui, le quotidien, la réalité que tu as créée aujourd'hui, elle est réelle et elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et des fois, on se dit, putain, mais merde, des fois, c'est trop beau pour être vrai. Tu es dans l'euphorie, tu dis, voilà, comment ça se fait que les gens ils viennent me voir, veulent des photos avec moi? Tu vois? C'est vrai, c'est ça. Après, ouais. Ouais, faut pas trop penser, en fait. Faut pas trop on réalise pas. Ouais. Parce que moi, ça a été les montagnes russes, tu vois. Je suis passée de ça à ça. Hier, j'avais même pas de quoi payer mon loyer, même pas de quoi m'acheter, parce que moi, je suis une fumeuse, m'acheter un paquet de cigarettes. Vrai, ouais, oui. Même pas 6 mois. Deux ans après, j'ai déjà mes appartements. J'ai mes commerces. Tu as mis des sous de côté. Franchement, tu as vraiment investi et tu as géré. J'aimerais savoir, est-ce que tu peux donner un conseil? Après, il faut s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Moi, j'ai Wesley avec moi. Ouais. De l'agence We Event. De l'agence We Event, c'est mon agent, mais pas que mon agent. C'est ton ami. C'est plus que ça.
Un membre de ta famille, je dirais, tu le considères non, comme non, ta famille, non? Non, plus que ça. Plus que ça encore. Ouais. Parce que pour moi, la famille, c'est synonyme ouais, chacun compris, pour ouais. soi. Parce non. que moi, ma famille, moi, quand je dis quelqu'un de ma famille, c'est mon sang. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est très, très proche de moi. Mais moi, comme c'est vrai que toi, tu n'as pas la même perception de la famille, étant donné que tu as beaucoup été seule depuis que tu es moi, petite. Moi, Wesley, quand je dis... Parce que quand je veux parler argent, je parle avec personne. Ouais. C'est la seule personne avec qui je vais parler argent. Ouais. Voilà. Subhanallah, il sait. Ouais. Wesley, il me dit, vas-y, t'as pas, je t'avance. Fais. Rebecca, tout ce que t'as vécu, va, deviens fort. Arrête d'acheter des sacs. Arrête, parce que des fois, on sort. Ouais. Et moi, je suis très... Quand je vois un truc, il faut que je l'achète, ouais. tu vois. Non, il arrive à me... Il arrive à te contrôler voilà. tes petites pulsions. Oui. Et quand j'ai besoin et tout, je toque à sa porte, il me rend pas. En fait, il faut savoir... Il faut bien s'entourer. Et là, je ne parle pas que argent. Même pour parler et tout, par exemple, je vais aller me confier à Wesley. Wesley, il n'est pas sur les réseaux sociaux. On ne le voit jamais, hein, à part s'il poste des photos sur Instagram. Mm-hmm. Il est très, très... Il est en retrait, il est en retrait par rapport à tout ça. Il est en retrait par rapport à tout ça. Un petit peu, oui, parce qu'il a des enfants, il a peur que ça atteint sa famille. Lui, il est très, très famille, ouais. tu vois. Et c'est une très très belle personne, ouais. hein, contrairement à ce que les gens y peuvent penser. Non, mais moi je l'ai déjà rencontré à pas mal de reprises et j'ai toujours eu de bons rapports. Oh et mon tout. Dieu, ouais. il a toujours été là pour moi. Lui, c'est mon ange, voilà. C'est, ah, voilà, c'est Wesley. C'est ton ange gardien. C'est la personne, tu sais quoi, Wesley, je le garderai toute ma vie. C'est pas que parce qu'il m'a fait travailler. En fait, lui, il sait ce qu'il y a entre nous. Mm-hmm. Alors, j'aurais beau... Il n'y a pas de mots. Je ne peux pas placer des mots. Mm. Quand je ne suis pas bien, ben, je vais appeler Wesley. Wesley, regarde, regarde. Il est là, il m'écoute, il est de bons conseils. Viens, je te viens te chercher. Pourtant, c'est pas de la merde. Mm-hmm. Voilà. Mais il vient jusqu'à la maison, il vient me chercher, il m'emmène. Il me donne ce temps-là. Mm-hmm. Et je ne sais pas s'il le fait avec les autres influenceurs. Mais je pense que moi, c'est un petit peu... T'es sa chouchoute. Voilà, c'est ça. Wesley, ouais. je t'aime. Non, mais ouais, non, je vois à peu près. Je le connais pas aussi bien que toi, mais c'est vrai que les gens, ça ils se ont... voit que c'est quelqu'un de gentil. Il est très protecteur et quand il t'aime, il t'aime. Ouais. Mais quand il t'aime pas, il t'aime pas. C'est voilà. ça son truc. Écoute, c'est pas à faire semblant. C'est une façon de se protéger également, surtout dans le monde un petit peu des réseaux sociaux. C'est pas quelque chose qui est évident à gérer. J'avais une question justement par rapport à ton essor, ton évolution. Oui. Toi qui n'avais rien et qui aujourd'hui a réussi à te faire une place dans... Petite, ça va. Si, quand même. Attends. Il y a... Une bonne petite place. Une bonne place. Une bonne place si on compte mon passé. Une bonne place. Une bonne place. Voilà. Et non, mais bien sûr qu'on le prend en compte. C'est important parce que ça fait partie de toi également. Est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui sont par exemple dans une situation... de mal-être, où ils ne voient pas le bout, où ils n'arrivent pas à gagner leur vie, où ils sont... Comment tu as réussi à te tenir la tête sous l'eau? Je vais parler de mon expérience de à ouais. moi. Ouais. Quel conseil tu pourrais leur donner à ces gens-là qui galèrent un petit peu? Quand il faut s'accrocher à quelque chose. Ouais. Parce que tout seul, on ne peut pas. Ouais. Moi, chez moi, ça a été spirituel. Ouais. Après, moi, je ne vais pas dire... parce que là, il y a non, toutes mais après, les confessions. La spiritualité, elle est personnelle. Voilà. Moi, mais je toi, parle de c'est, moi. C'est... Je ne vais pas parler de religion. Mm-hmm. Je vais parler de... De ta spiritualité. Voilà. Je me suis accrochée à lui parce que, voilà. En fait, c'est le je ne sais pas. Je me suis juste accrochée à lui. Voilà. Parce que je n'avais personne. Mm. Et je ne sais pas. Il ne m'a pas déçue. Mais après, il faut savoir... que même si tu vis des trucs pas bien, je te jure qu'après, l'hiver, c'est tout ça, ça va rester comme ça. Après l'hiver, il y aura quoi? L'été. Les bikinis. Tout passe. Ben, c'est ça. C'est... J'ai attendu, ma chérie, j'ai attendu 40 ans. Tu t'imagines, 40 ans. Et j'ai eu mes moments où j'avais perdu toutes mes croyances. Je ne croyais plus en Dieu, je ne croyais plus en la vie, je ne croyais plus... Bon, l'humain, j'en crois plus toujours, hein, voilà, ça n'a pas changé. Mais voilà, je ne croyais plus en rien, je voulais juste me... Voilà, j'ai encore les cicatrices, hein, voilà. Je voulais me balancer, voilà. Bref, j'ai essayé ah ouais, de me... T'as fait des tentatives de suicide. Bah oui. Et ça n'a pas marché.
Voilà, parce qu'il n'y a que les gens beaux et riches qui crèvent vite. Les pauvres, on crève. Wow. On crève pas, on ne tombe pas malade, c'est un truc de dingue. Tu en parles avec non, mais c'est un détachement et tout. Mais, j'ai essayé. Mais ouais, c'est. Et moi, si tu as vu, c'est profond, ce n'est pas des trucs superficiels. C'est des grosses cicatrices. Hein. Voilà, et ça va. Et parce que là, ça ne voulait pas marcher. Et j'ai... Voilà, tu vois. Et après, je me suis dit, ouais, la vermine, elle crève. Non, t'es pas une vermine. Bah, je te promets, si j'étais la fille d'un riche, j'aurais fait ça, je serais enterrée en 1994. Putain. Ça date de 1994. Je me rappelle même plus depuis quand. Quand t'étais adolescente. J'ai tout essayé pour crever, ça n'a pas marché. Pourquoi? Ah, ouais. Parce que le bon Dieu, il m'a écrit une belle histoire après. Il faut que tu tiennes le coup. Ouais. Ouais. Pendant 40 ans. En fait, le conseil que j'ai à donner aux femmes surtout, ouais. Hein, ouais. Patience. Patience. Mais quand? Mais la foi aussi, garder la foi. Garder la. Après, moi, je peux pas parler de ça parce que ça. Là, je suis en train de parler avec un public. C'est. Il y a des athées, il y a chacun a ses croyances. Mais s'accrocher j'ai à pas quelque envie... chose en fait. Il quand faut je dis garder la foi, c'est-à-dire. C'est de saisir, parce que Dieu, ils sont bon. Ta foi, c'est entre toi et lui. Ouais. Mais par exemple, on est tous ces créatures, tu mm-hmm. vois. Il ne va pas me mettre moi bien et toi non. Mm-hmm. En fait, tu as une chance dans la vie. Mm-hmm. Et quand elle vient, pour la saisir. Si tu ne la saisis pas, elle ne reviendra pas. Ah ouais. Moi, elle est venue. Tu l'as saisie. Je l'ai saisie. Ouais. C'est ça la différence entre moi et beaucoup d'autres personnes qui souffrent et qui souffrent. Et ça ne s'arrête pas depuis. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois, ouais. Il faut la saisir. Aujourd'hui, tu es heureuse, tu es mariée, hein? Oui. Ça va mieux? Heureuse, c'est un gros mot. Ouais. Je sais que je ne serai jamais heureuse. Ouais, à cause de... C'est impossible. Ouais. Mais je me crée des petits moments de joie, même s'ils sont brefs. Mais par exemple, je vais te dire un truc. Quand je m'achète un sac, mm-hmm. pour moi, c'est une thérapie. Mm. Les ouais. femmes, elles ont des enfants, elles ont des familles. Ouais. Moi, j'ai mes bébés, j'ai mes sacs. Ça va me procurer une certaine de l'adrénaline et après, ça va rechuter. C'est Est-ce pas que des... tu penses peut-être à fonder une famille, peut-être un jour Des enfants, j'en veux pas. C'est vrai? J'en veux pas. Je peux en avoir, je peux en adopter. Il y a mille façons d'avoir des enfants. Mm. Mais j'ai peur. De ne pas être à la hauteur? Non, pas être à la hauteur, je le serai, parce que je suis une femme très maniaque. Je suis vraiment une femme au foyer, tu vois ce que je veux dire? L'arbeïa. Voilà, on est vraiment des femmes au foyer. Au foyer, on est, voilà, mm. on est comme... Mais j'ai peur s'il m'arrive quelque chose et je le laisse derrière moi. Et tu vois, c'est cette phobie-là que j'ai en fait. Et pourtant, j'avais fait plein de... Et je suis arrivée jusqu'à... Je veux un bébé, je l'aurai. Je vais te faire... J'ai peur. Je vais te dire mon avis. J'ai peur. Si je peux me permettre. Tu sais, j'ai vécu des choses aussi un peu compliquées. Moi, j'ai perdu mon papa quand j'avais 9 ans. Puis ma sœur, je l'ai perdue il y a une dizaine d'années aussi. Et c'est vrai que... On n'est pas à l'abri de perdre nos parents, on n'est pas à l'abri de perdre des gens proches, etc. Mais si tu fais un enfant et qu'il a tes gènes avec ton passé, ton parcours, et il pourra survivre au chaos, ça c'est sûr. C'est parce qu'on ne peut pas prévoir est-ce qu'on va mourir ou est-ce qu'on va laisser quelqu'un survivre après nous. C'est tellement, c'est tellement des choses en fait, qui font aussi notre parcours de vie, nos leçons. Que ça, après, si ça arrive, ça fera partie de son apprentissage de la vie. Et surtout, si tu le fais avec ton mari. Il est beau, hein? Ah ouais, franchement, j'ai vu des photos de son chéri. C'est une petite bombe atomique hein, qu'il nous a sorti. Et tu ferais des beaux enfants avec lui, imagine. Hein. Lui, il est blond, moi, je suis brune. Il est blond aux yeux clairs. Non, je ne sais pas. Pour le moment, ça me terrorise. Ouais, j'ai peur. Ouais. J'ai très, très peur. Pourtant, lui, c'est mon homme, hein. C'est lui. Si tout va bien, c'est pour la vie avec lui. En fait, je pense, hein, que quand tu connaîtras l'amour qu'un enfant a pour sa maman, ça va te combler, mais d'une façon que tu n'auras jamais imaginé. Moi, je ne suis pas maman, hein, mais j'ai vu, je le vois avec ma petite sœur qui a eu un enfant.
Doudou Beng, petite dédicace. Il a 1 an et je te jure, en fait, si tu veux... Je sais ce que c'est. Un amour. Je sais ce que c'est. De fou, quoi. Ouais, ça, c'est, je sais ce que c'est. Ça, c'est dans les dossiers qui sont dans le tiroir. Ouais, je sais ce que c'est l'amour d'un enfant pour sa maman. Bref. Ah ouais? Ouais. Next. Écoute, ouais, je savais pas. Next. Ouais, je suis désolée. Tu sais, des fois, je mets les pieds dans le plat et tout. Moi, je suis en train d'essayer. Non, c'est pas grave. Ouais. Mais là, pour le moment, moi, franchement, j'ai envie de laisser personne derrière moi. Ouais. Voilà, ouais. Je suis bien comme ça. Pourquoi? Non. Ouais. Ah ouais? T'as peur? C'est pas, j'ai peur. Je sais pas. Après demain, je sais pas. Parce que moi, je sais. Oui, mais j'ai pas envie de laisser, voilà, derrière moi. Voilà. Sur toi, à cet âge-là, j'ai pas envie. J'ai une santé très, très... En fait, j'ai l'impression que tu te mets dans la tête que tu vas pas vivre super longtemps plus tard. J'ai toujours pensé comme ça, pourquoi? Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais. Je sais que je ferai pas 55 ans. Quoi? Sérieux? Ouais, toujours dans ma tête, je sais que je vais pas vivre jusqu'à... Ouais. Je sais, après, je sais pas. C'est toujours l'impression que j'ai. Et je suis sûre que là, les filles qui nous regardent, il y en a beaucoup qui sont comme moi. Ouais. Ça suffit, hein, moi, j'ai assez vécu. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, franchement, là, donnez-moi encore 5 ans de bonheur. C'est bon, après, je peux partir, je m'en fous. 5 ans de bonheur, c'est pas beaucoup demandé. Toute une vie, 5 ans de bonheur, c'est ouais, quoi? C'est vrai, ouais. Ouais. Et tu te vois comment, justement, dans 5 ans plus tard? C'est quoi les choses que tu aimerais bien accomplir là, dans le présent et dans les 5 prochaines années? La vérité. Années? Ouais. Si je te pose la question, tu te vois comment? Moi? Je peux. Bien sûr que tu peux. Tu te vois comment dans 5 ans? Mais écoute, moi, j'aimerais bien me marier, avoir des enfants et... Elle et est surtout, trop belle, les mecs. Ben, ouais, j'aimerais bien me marier, avoir des enfants et surtout réussir ma carrière. Tout en même temps, comme tu as dit la dernière fois, tout qui vient en même temps, moi je veux que tout vienne en même temps. En fait, c'est la réussite. Ouais, bah ouais, parce que ça fait longtemps que je travaille sur mes projets, tous mes concepts d'émission, etc. Reviendra. Ouais, j'ai envie que ça évolue et ouais, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants, tout. La totale, j'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie de faire plein de choses, quoi. Voilà. Et toi? Tu réussiras parce que tu es une belle personne, on le voit. Hein, déjà, depuis tout à l'heure, elle est en train de pleurer, après on arrête. Après. Et j'essaye de elle de est me sensible, garder. C'est une moi, je suis hyper sensible, je te jure. Et pourtant, je te jure, demande à Jojo. Tu m'as déjà vu pleurer, Jojo? Mon cadreur? Rarement. À part avec Amel Bent. Non, mais non, sur sinon, tes émissions, tu fais sévère. Tu vois, sur mes émissions, ça va, c'est j'arrive pas à gérer. Mais je rencontre pas souvent des gens comme toi aussi, des gens qui ont vécu tellement de choses. C'est impressionnant et c'est et comme moi en fait, comme je suis sensible et que j'arrive très bien à visualiser quand les gens me parlent et j'ai un esprit, j'ai une tu sais j'ai quand c'est du créatif, fake aussi, oui. J'ai de l'empathie, donc ça j'arrive à reconnaître le vrai du faux et je sais que tu me mens pas, tu vois. Et en fait, j'ai une imagination tellement. Il y a eu quelques peut-être quelques mensonges pour cacher quelques vérités. Non, mais il y a des choses que tu peux pas. Voilà, des fois je balance toi, c'est normal. Oui. C'est ton jardin secret. Et ça, c'est je pas mon jardin secret. En fait, aujourd'hui, je suis avec une personne. Je le respecte beaucoup et je l'aime beaucoup. Ouais. Il sait tout sur moi. Ouais. Mais je n'ai pas envie de le blesser parce que les gens, ils sont mauvais. Ouais, ils peuvent prendre des vidéos, les envoyer à ses frères, à sa famille. Ouais. Sa famille, ils vont dire quoi? Lui, il a de l'empathie. Mais après, c'est ton histoire. C'est mon histoire, mais mon histoire, ma chérie, on est dans une époque où les gens, ils ont pas de... Ils sont sans pitié. Depuis qu'il y a... En fait, avant, on vivait dans un monde. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux, c'est là que tous les masques sont tombés et on connaît plus la vraie nature humaine. Parce que quand tu marches dans la rue, les gens, ils vont pas te dire « t'es moche, t'es grosse ». On te dit pas ça, mais sur les réseaux, les gens, ils sont à l'aise. En fait, là, tu vois la vraie nature humaine, comment elle est sans filtre. Ouais. Elle est sans filtre, elle est et elle fait peur, c'est macabre, c'est moche, tu vois.
Moi, quand j'insulte, des fois, je dis « Kaoudou, allez !» Et je les... C'est parce que c'est... Parce que c'est un trop plein de choses voilà. que tu ne peux plus encaisser. Que tu as déjà assez encaissé, quoi. Ouais, je te comprends. Parce que même avant, quand je vivais dans la misère, je me disais « Il y a des gens, c'est pas comme ça. » T'avais quand même... De l'espoir en l'humain. De l'espoir et un optimisme. Je me dis, peut-être que c'est moi. C'est moi qui n'ai pas rencontré juste les bonnes personnes. Mais non, mais... En même temps, tu n'étais pas dans un environnement propice aux belles rencontres et... Voilà. Et pourtant, t'en as rencontré quelques-unes, comme cette dame de l'ambassade en Algérie qui t'a aidée. Geneviève Sarraf, ouais. c'est elle qui m'a... Et elle me caressait la tête, rien que le fait qu'elle m'ait pris dans ses bras, parce que j'en avais tellement besoin à cette époque. Qu'une femme, pas un homme, parce que les hommes, c'est facile, hein. Ouais. Un homme pour qu'il te prend dans ses bras, tu vas dans la rue, le premier tu lui fais ça, il ouvre ses bras. Mais j'avais tellement besoin de l'amour d'une femme. D'une tu venais de faire femme. Ta maman, t'étais pas, tu vois. Et elle m'a pris dans ses bras. Moi j'étais rien, j'étais sale, j'étais là, j'étais personne. À l'ambassade de France, elle me prend dans ses bras et elle me dit tout ira bien, je te laisserai pas. Pour moi c'était... Et cette femme-là, je l'oublierai jamais. Demain, elle vient, tout ce que j'ai, je partage avec elle. Tellement elle m'avait fait du bien. Et tu m'avais posé une question. Oui. Tu m'as dit, c'est quoi la plus belle période de ta vie? Ouais. Et je t'ai dit, franchement, c'est celle-là. En fait, le plus beau moment que j'ai vécu, c'était quand cette dame-là, elle m'avait pris dans ses bras. Et j'en avais tellement besoin. Quand tout le monde m'a rejeté, elle m'a pris dans ses bras. Pour moi, je pense que c'était le plus beau moment de ma vie. Le plus chaleureux, c'est encore plus beau que... Plus beau, tu vois. Là, ben, c'est elle, elle va mourir. Je vais crever, moi. Je vais crever. Ouf. En tout cas, moi aussi, je vais te prendre dans mes bras. Voilà, alors moi, maintenant... Vraiment. Voilà, c'est ça, tu vois. Et là, tu t'es posé la question, ben, moi, je me vois comment dans 5 ans, comment je veux me voir, juste avec un toit, la vérité. Hein. Avec un toit, ouais. Avoir un grand lit, pouvoir m'allonger sous la couverture au chaud. Au chaud. Parce que je suis frileuse. Parce que t'es frileuse. Avoir une télévision, avoir un frigo, ouais. Et voilà. Et avoir à manger dans le frigo, hein, pas un frigo vide de préférence. Franchement, oui. Mais t'es très humble, je te trouve très humble. Je me vois pas faire le tour du monde, de l'épaille. Non. Ça, non. T'as besoin de repères et d'un bon pied à terre et de la paix, de la sérénité et de l'amour. En fait, même mon mari, tu, ils comprennent pas quand ils me disent fais ça. Parce que tu sais, la boutique, c'est pas moi, c'est mon mari qui m'a poussé. Lui et ma copine Naïma, fais ça. Moi, en fait, ils comprennent pas. Moi, je veux rien, je veux juste dormir. Ouais. Je veux me reposer, je suis fatiguée. Même si je ne le montre pas, je fais la forte, mais en fait, je suis fatiguée. Normal, c'est normal. J'ai juste envie de me reposer, c'est tout. Ouais. Voilà comment je me vois dans 5 ans. J'ai envie de me reposer. Putain, je suis désolée, ma chérie, je voulais pas. Les gens, ils sont méchants, j'arrive plus. Ouais. Même si. Mais. Voilà comment je me vois dans 5 ans. Ouais. Sans ces insultes, sans ces mauvaises ondes. Je veux être chez moi, la porte fermée. Ouais. Quand j'ai envie de dormir, je dors. Quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Quand j'ai envie de sortir, je sors. Ouais. J'ai envie d'être... Je veux de la paix. Voilà, c'est exactement ça. Je veux pas gagner des millions. Je veux pas. Attends, je vais t'arranger ton petit make-up qui est en train de couler. Ouais, ça y est, c'est parti en couille. Voilà. Non, attends. Ferme les yeux. On est là pour arranger les choses, t'inquiète pas. Hop. Et voilà. Voilà. Voilà ma chérie. En tout cas, je suis très contente de t'avoir rencontré. Mon eyeliner est parti en couille. Non, attends. Voilà. Ah, attends, je te l'enlève. Mais entre femmes, faut bien qu'on se rende service, hein. Ça va mieux là. On s'en fout. On s'en fout. Au moins, on est sans filtre. Ouais. On est authentique. Tu m'as fait pleurer, t'as pleuré, on a pleuré. Et plus je savais que ça allait être comme ça. Regarde ça. J'ai ramené mes mouchards, j'étais obligée. Non, mais il faut qu'il voit aussi. Non, mais ouais. Derrière toi. Les mouchards. Ah oui, si je l'ai lu là aussi. Ouais. Bon, mais en tout cas, si t'as faim. Je pense que c'est pas mon rêve à moi toute seule. Ouais.
C'est le rêve de beaucoup de femmes. Tu as envie de la paix, tu as envie de sérénité. Voilà. Dormir et regarder des films Netflix. Ah ouais, c'est le top, ça. Après aussi, je rêverais d'avoir une femme de ménage. Oui, voilà. Qui s'occupe de toi, au moins. Mais ça, on ne le dira pas, on va rester humble. On va rester humble, mais c'est la base. C'est la base, en tout cas. C'était un honneur, un grand plaisir. Et je veux qu'on comprenne. Ouais. Voilà. Et un jour, je m'ouvrirai à avant d'arrêter les réseaux sociaux, le dernier jour, je vais m'ouvrir. Mais là, je vais m'ouvrir, je vais tout balancer. Goulam Kaoudo, et merci et au revoir. Ça sera the end. The end, ouais. Ouais. Écoute, c'était un grand honneur de t'avoir en interview. Je suis super contente d'avoir partagé ce moment avec toi. Merci. On a un peu pleuré, mais je te souhaite que tous tes vœux se réalisent, que tu sois heureuse. Merci. Et tout le bonheur du monde, c'est vraiment Inch'Allah, ce que je te souhaite. Pour tout le monde, en fait. Inch'Allah, moi aussi, je souhaite vraiment. Ça. Surtout aux haters, comme ça, ils vont nous laisser tranquilles. Ouais, voilà, ouais. S'ils sont heureux. S'ils sont heureux, ils auront d'autres vies. Bah, leur vie à s'occuper ouais, de leur vie. Mais eux, ils sont tellement mauvais, même s'ils ont une vie, ils restent mauvais. En fait, vraiment, Inch'Allah, que... Inch'Allah, ils crèvent. Ça, tu l'enlèves pas. Ça, je le laisse, je le laisse. Inch'Allah, la rougeole. La rougeole. Bon, écoute, merci. Merci à toi de m'avoir. Qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs? Alors, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un pouce et allez la vidéo. Partagez la vidéo. Ouais. Et je vous promets que demain, parce que je sais, là, il y a des meufs, elles vont regarder. Je connais ma communauté. Elles vont commencer à pleurer parce qu'elles vivent quelque chose de plus douloureux. Mm-hmm. Après, moi, je ne me plains pas. Non, il ne faut pas. J'ai de la chance. En fait, tu ne te plains pas, mais c'est comme tu disais tout à l'heure, tu n'avais pas le temps d'être en dépression à l'époque où tu étais en galère, tu vois. Et t'as que pas ce le temps. Maintenant. Mais tu sais que 50 Cent, il a dit exactement la même chose dans un podcast il y a quelques semaines. Il a dit que là d'où il vient, la dépression, c'est considéré comme un luxe, étant donné que quand tu es dans l'action et que tu es en galère et tout, tu n'as pas le temps. En fait, tu dois payer des factures, tu dois te soucier de telle personne, telle personne, telle personne. Et en fait, ceux qui ont le temps de prendre conscience qu'ils sont malheureux, c'est que en fait, ils sont dans un... C'est quand tu poses tes bagages, c'est là. C'est vraiment quand tu poses tes bagages, voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et moi, mon entourage, il ne le comprend pas. Ouais. Mais t'as tout maintenant, pourquoi t'es pas content? Non, c'est parce que tu sais les souvenirs. C'est et après, tu dis, y a pas de mots pour exprimer ça. Ouais. Ils ne comprennent pas que c'est maintenant que j'ai envie d'être dépressif. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de hurler, j'ai envie de m'arracher les poils du cul. Et voilà, c'est maintenant. C'est ça. Bon, on va laisser les poils de tes fesses tranquilles. Mais voilà, bon, on vous fait de gros bisous, on vous dit à très bientôt. Salut.